Non. Qu'énervé. T'es où? Oh oui, mon ref, merci. Heureusement que tu sais jouer. Oh là là. Moi, personnellement, je peux stream en 1080p, dès le déjeu et jouer en même temps. Bon, je vais pas me la péter, mais... Je sais qu'en MB seconde... Donc oui, la turbo step up. Mais frérot, enfin, voilà. Django, c'est... Je crois que je pourrais y en parler des heures de Django, c'est terrible. Hein. En vrai, son album sur le flemme, c'est genre vraiment un 10 sur 10. Si t'enlèves, genre vraiment, l'album est parfait, mais les feats sont terribles. Mais moi, dans chaque truc qu'il a fait, je le trouve incroyable. Mais moi, j'attends surtout le feat, genre, je veux vraiment un feat Django et H22, genre un truc giga brosson. Un mélange entre Croak Up et l'album de Django. Les débuts où c'était juste des copies d'Astyle, c'était quand même bon, mais il manque un truc. On peut pas dire que c'est des copies. En fait, le problème, entre guillemets, genre quand tu regardes son tout premier son Billy Cocaine, ça faisait déjà comme Fichu, ça faisait déjà comme Oiseau, etc. Donc on peut pas appeler ça proprement parler de la copie. Quand tu le vois, même dans ses sons de maintenant, c'est toujours le même truc. S'il y a toujours ces trucs multisyllabiques, homonymes, etc. Ouais, bon, là je suis un peu le mec. Mais il y a toujours eu ça, et en vrai, c'est juste que bah, parfois il faisait d'autres flows. Après il a essayé avec entre Oiseau, son nouvel album, c'est avec son EP Anthracite. Et après il avait fait un truc genre giga, bah la Lil Peep, genre giga suicidaire dépressif avec son album, son EP Tue-moi mon amour s'il te plaît. Mais il a toujours eu ce style, enfin si on parle des lyrics etc, il a toujours eu ce style en fait de ref etc. Sauf dans son EP Tue-moi mon amour s'il te plaît et vite fait Anthracite. Mais il a toujours eu ce truc en fait. C'est pour ça que copie, je pourrais. Enfin, on pourrait pas, genre. Je sais pas, tu vois, de copie. Peut-être au niveau du style vestimentaire ou. Avec Nekfeu slash SH, à la limite, je veux bien. Mais genre. Genre, si on parle des lyrics et tout, j'y arriverai pas, tu vois. Enfin, je veux bien accorder quelques points, mais pas plus. Chercher son style un peu, c'est normal. Mais... Oui, non, maintenant il a son truc. Mais regarde maintenant, on dit plus que c'est une copie de Nekfeu, ni je sais pas qui. C'est une copie de Freeze Corleone et de tout le 667. Mais genre, là, il l'a fait bien avant, genre Django. Là, le brosson dans son EP, enfin dans son album, c'est il l'avait déjà fait dans son EP Anthracite avec certains sons. Et pas autant forcément. Mais enfin... Tu vois, c'est ça que j'ai un peu du mal. Je le défends comme si c'était Madaron, hein, par contre. Ça, je le dis haut et fort, je le défendrai comme si c'était Madaron. Hein. Ça dépend lesquels, après. Après, j'avoue que j'écoute pas, enfin, moi, ils sont beaucoup comparé à SH et Django. Django, Nekfeu. Après, j'avoue que, genre, j'écoute pas plus Nekfeu, SH, j'écoute pas plus. J'ai écouté son album qui est sorti de Spi, mais je l'ai pas plus... J'ai écouté les 5 premiers EP et j'ai oublié d'écouter la suite en fait. Oui, tu vois. L'arrêt de cinglé que je viens de faire. C'est le retour de Frost, le meilleur buteur, enfin le meilleur gardien. Il a toujours eu ce truc avant Freeze en fait. Mais bon, vu que les gens connaissent pas, c'est l'album de Kaba. Caballero et Jean Jass. Alors, j'ai eu ma période. Enfin, ma période. Oh frérot, j'ai failli faire des dingueries avec H, je te jure, H il m'amène dans un autre monde. Hein. Mais bah, y a des trucs genre, quand j'écoute Django, quand j'écoute H, j'ai envie de, j'ai envie de taper mes meilleurs deals frère, hein, genre pour écrire un putain d'album après. Hein. Ah ouais, j'ai envie de taper mon meilleur son drill giga sombre, où je dis que je spin des Daron. Ah après ouais, c'est ça mon ref. Prendre ma voiture, elle pète le flow. Je fais vraiment les meilleurs saves, hein, c'est incroyable. Oh boy aussi, trop fort. Genre tous ces sons c'est du 10 sur 10. Hein. Ouais, attention. C'est comme ça que... A chaque fois je les swing comme ça à chaque fois. Ok, vas-y. Ouais, qu'est-ce que c'est?
Je comprends pourquoi leur tout à l'heure je t'ai mis 0 balles frère. J'étais en mode mec je suis trop nul, j'arrive pas à tirer. Ouais vas-y c'est bon. Viens mec après on pose un stop le passage frérot, on prend un space violet parce que... Ok let's go. Il est trop drôle. Oh je t'ai souillé, t'as pas je crois que t'as pas compris là ce qui s'est passé. Ok, il y en a un down. Il est mort, super. Vas-y, plante mon ref. En vrai, à part venir par derrière, ils ont pas trop le choix. Hein. Tu vois? C'est que j'ai même plus envie de rager.